Pierre Pigneur was duiker bij de toenmalige vrijwillige brandweer van Dinant toen het ongeluk met de Nederlandse bus in 1969 plaatsvond. 5 minuten na het ongeval, waarbij de bus de Maas inreed, stond de toen 37-jarige inwoner van Dinant in zijn duikbak op het dak van de bus in de hoop overlevenden te vinden. Dinant heeft volgens de 77-jarige inwoner van de stad geen ongeluk meer gehad dat zo erg was als in 1969. Eh bien, vers 13h, ce jour-là, j'étais chez moi, je terminais mon repas. Et le téléphone a sonné. C'était un habitant ici du quartier, au bord de la Meuse, qui m'annonçait qu'il y avait un autocar qui venait de tomber dans la Meuse et qui me demandait de venir vite. Mais j'ai pris mon matériel de plongée et ma voiture et je suis arrivé ici. On ne voyait pas le car, mais il y avait 2-3 petits bateaux de touristes. Des yachts qui étaient ici et les gens étaient autour là-bas, donc moi je me suis mis à l'eau directement et j'ai été jusqu'à eux. Et là j'ai aperçu le car qui était dans l'eau. Quand j'étais sur le toit du car, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Sur ces entrefaites, les autres plongeurs avec les pompiers sont arrivés, ils sont venus me rejoindre. Et nous avons, pour essayer d'entrer, cassé les 2 ouvertures qui sont sur le toit du car. Et on est entré par là et on a vu à l'intérieur, il n'y avait rien qui bougeait. Et on a vu tous les gens qui étaient en principe décédés. Et on a commencé à les sortir par le dessus. Et les bateaux des pompiers qui ont été mis à l'eau, on mettait les corps sur les bateaux et ils les amenaient ici. Et nous, on nous a signalé qu'en principe, il devait manquer 3 personnes. Alors on a refouillé tout le car, en dessous des sièges, partout, on n'a rien trouvé. Et on a été voir alors derrière le car, parce que le car se trouvait dans le sens de la longueur de la Meuse, le nez du car vers Ansrem. Et à l'arrière du car, comme il est dans le courant, il y a toujours un triangle qui se fait où il n'y a pas de courant. Et les gens qui ont sans doute su sortir du car étaient juste là derrière, sur le fond de la Meuse. Dans la Meuse, on ne voit rien. La main à 50 cm, on ne la voit plus. Et dans le car, non plus, c'était la même chose. On sentait et on prenait les corps. On les devinait dans le brouillard. Mais c'était la première fois qu'on avait un accident comme ça. On a souvent, surtout en hiver, des voitures qui glissent ou qui vont dans la Meuse. Mais un autocar avec 23 ou 25 personnes, ça on n'avait jamais eu. C'était épouvantable quand même. Pour les gens qui vivent encore, des familles, pour les gens d'Eindhoven, c'est très bien de faire une commémoration. Je suppose qu'il y aura quand même beaucoup de monde qui va venir de Hollande pour ça. Et je trouve que c'est bien de la part de la ville. De faire ça.